chemistry, came what's on your mind. Telling me everything, but it ain't happening. Wish I could read your vibe. Making movements. Now I don't think you're looking for it. Yeah, yeah, yeah. Better be waiting here. Can we get out of here? Wanna get you alone. So if you're into me, I can see energy. Why are you on your phone? Cause the truth is, I'm not really looking for it. T'es pas allumé, t'as abruti. Bonsoir à tous, bienvenue cette fois-ci à Au Havre, bienvenue au Stade Océane pour ce dernier match du groupe F entre la Suède et les États-Unis. Les deux équipes sont déjà qualifiées, mais évidemment elles vont jouer la première place pour éviter d'affronter un adversaire trop coriace pour les huitièmes de finale. Mais tout d'abord, place aux hymnes, on se retrouve juste après. On commence par l'hymne suédois, bien sûr. La composition de la Suède de Peter Gerhardsson, avec évidemment Lindahl toujours dans les buts depuis le début de cette Coupe du Monde, avec l'entrée ici de Zygioti Holm, Blackstein sur pointe sur les ailes, Jakobsson et Skau. Zygioti Holm qui n'a pas été titulaire, me semble-t-il, lors des deux derniers matchs. Les USA qui sont déjà scandés ici au Havre, alors que pourtant on n'est pas aux États-Unis. Mais bon, ça, c'est pas grave, on s'en fiche un petit peu, qu'on soit à domicile ou pas. Dans quelques instants, la composition des Américaines et on pourra passer au match. La composition des États-Unis avec toujours Neuer dans les buts. Alex Morgan est évidemment titulaire. Ça laisse là bas de soi. Morgan en pointe sur les ailes, Rapinoe et Hit. Les États-Unis qui n'avaient gagné que 3-0 lors du dernier match contre le Chili. Qu'on envoie de ce Suède-États-Unis. Pour le match pour la gagne, le match pour la première place, c'est maintenant. Avec déjà peut-être un bon ballon pour les Suédois avec Bjorn, Jakobsson, Seger, Zygioti Holm, Bjorn, le centre, la tête, et la parade de Neuer. Oh, le ballon du 1-0 était tout proche pour la Suède et déjà corner pour les Suédoises qui veulent montrer aux Américaines qu'il n'y a pas qu'elles qui savent jouer au foot. Un sublime parade de Neuer. Il était temps parce que là, ça semblait finir droit au fond des filets pour les Suédoises. Ce qui aurait été une énorme surprise. Là, le corner dégagé, ça revient sur Saint-Brandt. Ou pas, non, ça sent finalement une touche. Et pour la Suède, bien sûr. Jakobsson, Saint-Brandt, Andersson, Skau. Aslani, Zygioti Holm, Aslani, Skao qui tente sa chance sans problème pour Neuer, qui avait fait un arrêt beaucoup plus compliqué il y a quelques secondes que celui-là. Le ballon est pour les Américaines cette fois-ci. Mewis, Oran, Press, non, l'interception, si, c'est du ballon toujours pour les Américaines. Morgan, Rapinoe. Morgan, ça ne passe pas, mais le ballon est récupéré par Alex Morgan. Is, non, c'est repoussé par les Suédoises. Ils peuvent partir en contre, ballon intercepté. Press, Oran, Lewis. Contré, mais le ballon quand même pour Morgan. Is, Press.
presse toujours. Oran. Is. Ouara. Is. Et l'interception de Bjorn. C'est contré. Et ce sera finalement une touche pour les Américaines qui s'en sont bien sorties sur ce coup-là contre les Suédoises. C'est les Suédoises qui s'en sont bien sorties. Collé dans le camp suédois. Ouara, le centre. Complètement raté, directement sorti de but. Ah non, c'est corner visiblement. On va voir, c'était d'embarrer. Talissa Neuer. Quasiment vous portant cette tête. Et corner pour les Américaines. Attention, on sait très bien qu'elles sont très fortes, les copyrights, les Américaines. Non, ça va être... Ah oui, voilà, c'est un peu raté ce corner, mais ça peut peut-être suffire. Non, c'est finalement Black Stadius qui se part du ballon. Et qui préfère dégager plutôt que partir devant. C'est un choix comme un autre. Les touches pour les Américaines juste devant la surface. Oran, Dunn, Oran. Le centre avec East, on s'est dégagé. Et Jacobson qui peut, elle, partir en contre. Elle, par contre, elle n'hésite pas. Bjorn. Jacobson. Lex Morgan, on ne la présente plus. Meilleure joueuse des Américains. Attention avec Black Stenus, c'est parfaitement fait avec ce bon ballon. Black Stenus qui a tout le soutien. Elle sort, c'est contré. Elle recentre, encore contré. C'est finalement dégagé. Et ça revient sur Hichtet. Sembrant. Aslani. Seger. Pour le bon crochet sur Oran, et c'est finalement Oran qui a le dernier mot. Rapino, l'interception de Skao. Et faute de Skao. Alors là, il va falloir m'expliquer. Parce qu'il était totalement sur le ballon. Forcément, les supporters suédois ne sont pas d'accord. Ce que je peux comprendre pour le coup. C'est un coup froid un petit peu généreux aux Américaines, même si elles sont quand même loin du but suédois. Sauburn. Mewis. Interception de Bjorn. Il a bien vu la trajectoire du ballon. Jacobson. Et le bon 1-2 là, qui a marché entre les Suédoises. Black Stenus, parfaitement lancé, qui va pouvoir peut-être recentrer. Jacobson. Bjorn. Avec Seger contré. Seger, Aslani. Seger. Non, c'est dégagé. Défendu par, par la défenseur qui est fier d'elle. Pour l'instant, c'est quand même très proche de la surface aux Américaines, donc il ne faudra pas en plus réjouir trop vite d'avoir dégagé ce ballon. Bjorn. Jacobson. Bjorn. Jacobson avec Bjorn. Le start en contrée. C'est peut-être pas terminé. Le bon tacle derrière de Oran. Les Américaines qui peuvent partir en contre avec Morgan. Oran. Rapineau. Oran, Rapineau, donne parfaitement lancé, il y a du monde à son face, surtout Lex Morgan qu'on ne cherche pas, c'est dégagé. Ça va peut-être revenir sur Dunn, oui, c'est le cas. Rapineau, contré, corner. Pour les Américaines, attention. Annabelle Ola, dans les tribunes de ce stade Océane. Et décidément, depuis le début de cette Coupe du Monde, elle a dit Ola à tous les matchs. Hein. Ce qui est quand même assez... impressionnant, mais il me semble bien, pas qu'on ait eu hier soir entre l'Écosse et l'Argentine, mais bon, ça c'est pas grave. Le corner, c'est dégagé. Ce sera pour Dahlkemper, qui était bien seul pour récupérer ce ballon. Is. Oran. Morgan. Presse Morgan, qui tente sa chance. Et la superbe claquette de Lindahl sur cette tentative de Lex Morgan. Nouveau corner pour, pour les États-Unis. Mais quelle parade! De Linda, le super sublime frappe d'Alex Morgan qui a tenté de lober la gardienne. Ça n'a pas marché. Nouveau corner pour les Américaines qui continuent leur statut de favori. Le corner à la tête d'Oran, me semble-t-il. À moins que ce soit Mewis. Mais directement sur Linda. Encore tout simplement impeccable sur cette action-là. Ouara. Mewis qui a quand même mis deux buts lors du dernier match contre le Chili. Mewis. Press, Mewis, Oran, Is, Mewis, ça passe finalement pour Mewis, le centre, chercher Morgan, c'est dégagé, en catastrophe tout de même, mais c'est dégagé, et le ballon est finalement pour les Suédoises, qui redégage derrière, Oran qui récupère ce ballon, Oran toujours, donne,
Presse, lancez bien Willis. Presse, le centre, c'est dégagé. Une belle reprise de volée. Et Jacobson qui va se précipiter sur le ballon, qu'elle ne réussira pas à récupérer. Presse, Mewis, Rapineau, Dunn, Rapineau, ça ne passe pas face à Anderson, c'est bien défendu. Les touches très bien placées pour les Américaines. Là, il reste 3 minutes de jeu pratiquement, et toujours 0-0 entre la Suède et les États-Unis. Le centre, chercher Morgan, c'est dégagé avec Presse, c'est pas fini, Mewis, Presse. Oran, contré, ça va peut-être revenir sur East. Non, ce sera une touche pour les USA. Attention, ça continue. La pression ne s'arrête pas dans ce match. Mewis. Oh, le ballon perdu, bêtement par Mewis. Et Blacksteiners qui veut partir en contre. Bjorn. Bjorn qui passera pas entre trois défenseurs avec Morgan. Oran, l'interception de Skao qui dégage en touche. Donc il y en a aujourd'hui encore 2 minutes 40. 2 minutes 20 avant le coup de sifflet de cette première période. Rapido, oh, le bon contrôle avec face à Anderson. Morgan, Oran. Le bon passement de jambe d'Oran, même s'il n'a pas de solution derrière. Mais oui, il se presse. Oran qui a été contré au dernier moment. Ce sera encore un corner. Pour les Américaines, à moins que ce soit 6 mètres, ce qui m'étonnerait. Ah si. Bon, ben j'ai rien dit. C'était bien 1 6 mètres. Pour les Américaines, pour les Suédoises, pardon. J'ai pas le temps de s'ennuyer dans ce match au moins. Après le dégagement de Lindahl, on va pouvoir siffler à la mi-temps. On aurait pu le faire maintenant, ça aurait été plus simple. Je vais perdre du temps bêtement. Et c'est fini, mi-temps. Ici, au stade Océan du Havre, 0-0 entre la Suède et les États-Unis. Deuxième période qui risque encore d'être intense. Et à mon avis, on aura des buts en seconde période. Ça m'étonnerait que ça se termine sur un 0-0. Parce qu'au 4-0-0, ce serait les États-Unis sans problème qui seraient première grâce à leur succès 13-0 contre la Thaïlande lors du premier match. Les Suédoises doivent impérativement s'imposer ce soir si elles veulent finir première du groupe. Coup d'envoi de cette seconde période de ce Suède-États-Unis. La sortie, c'est Zigliotti Hall, mais l'entrée de Rodard. Moi, je vais dire pas de changement. Et bien, si, finalement, il y en a un. Les Américaines annulent ou une victoire les arrange. Et ça les arrangerait moins une défaite parce qu'elles passeraient deuxième. Attention, le bon ballon pour Dunn. Rapido, le centre peut-être. Non, Anderson qui est revenu. Dunn, le centre contré. Ce sera finalement pour Seger. Aslani. Blacksteiners, oh le bon ballon pour Jacobson. Blacksteiners, Seger, Skao, parfaitement lancé, qui va pouvoir déborder, il n'y a personne pour la gêner. Il va sans doute pouvoir centrer, c'est fait, le but! Et le but des Suédoises! Sur un centre parfaitement tiré! Un centre parfaitement tiré par les Suédoises! Bien, c'est parfaitement joué. Même là d'ailleurs n'a rien pu faire sur ce coup-là. Elle avait été héroïque en début de match. Bien sur ce coup-ci, ça rentre. C'est un superbe but et je vois même pas qui c'est. Je suis navré, ça m'énerve. C'est Stina Blacksteiners qui a été portée toute seule sur l'aile. Qui est finalement la réception de ce ballon. Et ben voilà, pour l'instant, c'est bien la Suède. Oui, j'ai bien dit la Suède qui passerait première de ce groupe F devant les Américaines qui là ce serait des illusions pour elle après un excellent début. Morgan n'est pas terminé ce match, non, loin de là. Oran. Presse. Morgan. Avec Is, le centre sans problème pour Lindahl. Le ballon lui vient directement dessus. Aslani, un bon louche pour Jacobson. Blacksteiners, Bjorn, Jacobson, Bjorn, Blacksteiners, Bjorn, l'interception impeccable de Mewis. Et Is peut partir en contre. Is, Oran, Is qui rate son contrôle mais qui garde le ballon.
Tant bien que mal. Press. Oran. Rapinoe. Press. Morgan qui n'a pas eu une seule occasion dans ce match pour l'instant. Le bon crochet sur Skao. Morgan toujours. Qui garde le ballon. Donne le centre. C'est dégagé. Ça va peut-être revenir. Non, c'est pour les Suédoises. Seger. Skao. Anderson. Lachtenus. Skao. Soberbrunn. Morgan. Press. Lewis. Oran. Et Is qui grappille ce ballon, on ne sait pas trop comment. C'est bon, le ballon perdu. Bjorn. Seger. Jacobson. Jacobson, le centre. Attention, c'est pas terminé. Lachtenus qui a fait reprendre ce ballon. Rodard. Et c'est finalement dégagé. Pour touche par les Américains. Et la bon touche, c'est changement. La sortie. Samantha Mewis, c'est l'entrée. Tom Morgan, Bryan. On voit bien que ça marche pas trop au milieu de terrain américain. Donc forcément, ça fait des changements. Skao. Anderson. Aslani, Seger, Rodark parfaitement lancé, le but! Et le deuxième but des Suédoises! Ah bah ben voilà, c'est un coup sur la tête, un changement qui n'a pas payé pour les Américaines! Et ça fait 2-0 pour les Suédoises! Pratiquement instantanément après cette touche! Et encore d'ailleurs, qui est frustré de ne pas avoir sorti ce ballon! Ah bah ben, décidément! Là, elle n'avait plus qu'à frapper Rodark et personne pour la gêner! Elle était complètement seule, sinon il y avait Blacksteinus devant. Mais là, vu le ballon était tellement parfait à reprendre qu'elle n'allait pas s'en priver. Et ça fait déjà 2-0 pour les Suédoises, grâce à Julia Rodard. Les Américaines sont en train de prendre l'eau. Sont en train de manger la poussière dans cette rencontre. Après deux matchs parfaits, lors des deux dernières journées. Alors là, il va falloir, ce sera un miracle si les Américains de revenir à 2-2, mais l'Argentine l'a bien fait hier soir. Sur le centre, Bryan qui était cherché, mais c'est dégagé, ça revient sur Ouara, Is. Le bon crochet sur Jacobson, Morgan. Il n'y a toujours pas eu une seule occasion, toujours pas une seule frappe d'Alex Morgan. Ouran, Rapinoe, centre, c'est dégagé. Et les Suédois, qui peuvent partir en compte, il n'y a personne pour les en empêcher pour le moment. Blacktenus, Jacobson. Et le bon retour d'O'Hara. Bryan, Is, Press, Morgan. Morgan qui garde le ballon. O'Hara qui va pouvoir centrer. Is, O'Hara. Is, Morgan qui s'est complètement raté, qui est sorti directement en 6 mètres. Et la sortie de Sofia Jacobson et l'entrée de Fridolina Rolfo. Et la sortie, me semble-t-il, de Kristen Press et l'entrée de Carly Lloyd. Ah ben voilà. Au moment où j'allais le dire, toujours pour l'entrée de Carly Lloyd. Justement, ça me fait mentir. Carly Lloyd qui pourrait très bien à elle seule aller chercher deux buts. Elle en est largement capable. Le bon saut de Rolfo pour éviter de dévier ce ballon. Le ballon finalement perdu. O'Hara. Lloyd. Dalkemper. Oran. Bryan. Lloyd. Oran. Bryan. Alkemper, les Américains n'arrivent même plus à sortir de leur camp. Excellent pressing des Suédois, ça y est, c'est fait. Bryan. Morgan. Bryan, Is. Morgan qui centre pour Rapinoe, c'est dégagé. Ça va revenir sur Bryan. Donc finalement, c'est Rodard qui récupère le ballon, mais qui le repère aussitôt. Rapinoe, Oran. Sauerbrunn. Ouara. Lloyd. Oran. Bryan. Lloyd. Bryan, Is, la belle talonnade, peut-être involontaire sur ce coup-là. Contrer cette passe. Le ballon récupéré par Oran. Lloyd, Bryan, Is. Is toujours avec Ouara qui peut centrer. Bryan pour Morgan, contrer la reprise. Et le but d'Alex Morgan. Il reste encore 5 minutes, tout est possible dans cette rencontre. La seule, la première occasion d'Alex Morgan a fini au fond. C'est retour de temps, mais elle est bien au fond. Cette occasion pour Alex Morgan. Le match est relancé alors qu'il reste 5 minutes.
pour cette rencontre. Et cette fois-ci, Lindahl ne peut strictement rien faire. Et bien voilà, Alex Morgan, qu'on avait pratiquement pas vu en première période, remet les Américaines dans le bon chemin. Il pourrait même arracher le match nul. Là, nouveau changement pour les Américaines. Il semble bien que non, c'est pas Mewitz. Je crois bien que c'est Is qui sort. On va avoir le cœur net dans quelques instants quand la réalisation voudra bien mettre les dents sous le nez. La sortie de Laura et l'entrée de Hertz. Blacksteinus, Aslani, mais les Suédoises vont certainement pas se laisser avoir. Et que ce but d'Alex Morgan va évidemment enfoncer le clou encore une fois. Rolfo au contrer. KO au contrer. Pourquoi Rolfo n'a-t-elle pas fait la reprise? N'a-t-elle pas reprise? Ballon l'aurait pu. Et un nouveau changement pour les Suédoises. La sortie de Stina Blacksteinus et l'entrée de Linda Hurtig. Ah, c'est une erreur là, de Rolfo. Elle aurait pu faire comme Alex Morgan, la reprendre instantanément et la vie de mettre au fond. Maintenant, elle a préféré la passer à Sko le corner. C'est pas terminé. C'est dégagé. Et ça revient sur une Suédoise, Seger, Skao, la frappe de Sko, la parade d'ailleurs, sans aucun souci. C'est Orbrun. Il reste encore 3 minutes à jouer, les Américaines doivent absolument passer la seconde. Si elles veulent chercher ce point, ce but du match nul qui leur laisserait la première place tranquillement. Brian, Dunn, Brian, Hertz, pardon, Lloyd, Wara, Is. Brian, Hertz, Dunn, et c'est terminé, victoire de la Suède, 2 buts à 1, Alex Morgan a bien réussi à réduire la marque, et bien un peu trop tard malheureusement pour les Américaines qui s'inclinent pour la première fois de cette Coupe du Monde, après 2 matchs parfaits, les Américaines s'inclinent et finissent virtuellement deuxième de ce groupe F. Donc comme quoi, cette Coupe du Monde est encore pleine de surprises, on l'a bien vu avec le Cameroun tout à l'heure. Même si là, c'est pas vraiment la même chose, mais quand même. Allez, on s'arrête là pour ce match. Je vous laisse avec le vrai match qui commence dans 2 minutes. J'ai intérêt à me dépêcher d'éteindre. Je vous donne rendez-vous samedi pour les premiers 8e de finale. Je vous souhaite un bon match et bonne soirée. Et à samedi. Salut à tous!